Sois la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! Oh là là! Oh ma chérie! Oh là là! Oh là! Oh je, non, 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 n'y crois pas, je n'y crois pas! Tu ne sais pas ce qu'on a appris, fraise! En regardant la chaîne des Buddies, tu ne sais pas ce qu'on a appris! Oh, je n'y crois pas! Ça, c'est sûr, fraise! Tu vas pas en croire tes oreilles! Oh, et ben en fait, les mini Buddies, et ben ce sont les grands Buddies qui les ont fabriqués! Tu te rends compte, ça? Quoi? Qui les ont fabriqués? Les grands Buddies ont fabriqué les mini Buddies, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai, on l'a vu sur la chaîne des Buddies, mais tu sais pas comment? Ah non, mais alors comment est-ce qu'ils ont fait? Oh non, ma chérie, je ne peux pas te le dire, j'ai trop honte. Oh, oh là là, oh j'ai tellement honte de te le dire. Bon, bon, écoute bien, il y avait, tu sais, une imprimante 3D, là, chez les mini, chez les Buddies, là-bas, dans leur, au pays de Bellyville. Et un jour, les Buddies se sont réveillés, ils ont mis leurs fesses, hop, comme ça, sur l'imprimante, et leurs petites fesses de leurs petites fesses, et ben hop, l'imprimante a sorti des mini Buddies. Est-ce que tu te rends compte? Quelle honte! Oh, les chippies! Et on a aussi appris qu'ils ont plein de petits secrets. Eh oui, ils ont des secrets. Tu savais ça? Des secrets? Hop, 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 hop. Dis donc, Mini-Bou, Bobby-Bou, venez ici. Alors, Bobby-Bou, raconte-moi, ton petit frère a des secrets comme ça. D'accord, et pourquoi tu ne l'as jamais dit? Ah, parce que je te l'ai jamais demandé. Voyez-vous ça? Mais alors, il ne parle pas. Non, il ne parle pas. Ah, moi, je sais qu'ils font beaucoup de proutes. D'accord. Oui, c'est parce que, effectivement, ils font beaucoup de petits pets. Parce qu'ils sortent... Oui, je sais, Bobby-Bou, on m'a raconté. Ils sortent d'une photocopie, hop, des fesses des Buddies. Du coup, ils ont beaucoup de flatulences, c'est ça? Mais alors, quel autre secret ont-ils? Je n'en ai aucune idée, Bobby-Bou. Oh, c'est vrai? Si je... Non, si je lui appuie sur la tête, il y a un son qui va sortir. Non. Oh, oh, ça sent mauvais. Oh là là là, je crois que je l'ai fait péter. Non, 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 non. Alors fais voir. Avec... Oh. C'est rigolo, on dirait qu'il joue de la musique. Très bien. Donc, par contre, c'est... Quand ça fait ce bruit-là, c'est que vous pétez. Mm-hmm, on est d'accord, ça veut dire que votre couche va être... Blerk, dégoûtante. Ok, bon, bah c'est moi qui vous change, donc ça va, n'est-ce pas? Hein? Oh là 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 là. Eh oui, vous pouvez rigoler, c'est ça. Bon, alors on a appris le premier secret. On le connaissait déjà, c'est que... Enfin, on le connaissait, non. On vient de l'apprendre, c'est que, hop, ils sortent une photocopie des fesses. Le deuxième secret, c'est que quand on leur appuie la tête, ils font un petit bruit. Mais est-ce qu'il y a d'autres secrets encore? Oh oui, oui, oui. Il y a un super, super secret, super secret, secret, secret mystérieux. Ah bon? Ben, grand-mère Chloé, vous êtes au courant de ça? Oh oui, ma chérie. Oh oui, je n'arrive pas à y croire encore. Les mini Buddies. Oh, oh, les mini Buddies. Oh, je n'arrive pas à lire. Les mini Buddies. On peut leur retirer la tête. Est-ce que tu te rends compte? Oui, les mini Buddies. On peut... Oh, je sais quel effet ça fait. Leur retirer la tête? C'est vrai ça que je peux te retirer la tête, mon loulou? C'est pas possible. Oh là là, et ça va pas te faire mal? Oh, mais comment est-ce que je fais alors? Oh là là, j'ai peur de te faire mal, je vais... Oh là 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 là. Ah d'accord, on tourne vers la droite. Oh là là, c'est un peu angoissant, hein. Bon, tu es sûre, hein? On y va? Allez, tout doucement, tout doucement. Oh oui, c'est très facile en fait. D'accord. Et on tire vers le haut et... Oh, il y a une petite cachette à l'intérieur. D'accord. Oh là là, Mini-Bou. T'as vu, on a retiré la tête de grand-mère Chloé et de Yummy Yummy. Enfin non, pas Yummy Yummy, c'est Mini Yummy. Parce que Yummy Yummy, on peut pas lui retirer la tête. Hein. Non, 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 faut pas se tromper surtout. Hein. Oh, c'est vraiment rigolo. Ah, je suis jamais allée dans une tête. Fais voir, mamie, comment ça fait. Oh, ma chérie, retire-moi. Retire-toi de là, enfin, tu m'enlèves toutes les idées. Oh là là. Je vais vous remonter, grand-mère Chloé, parce que moi, je ne m'habitue vraiment pas à vous voir sans tête. Hop là. Oh, merci, ma chérie, merci beaucoup. Bon, et je ne m'habitue toujours pas à voir les mini Buddies sans tête, mais c'est vrai qu'ils sont trop mignons quand même. Bon, et du coup, est-ce qu'il y a encore un secret? Oh oui, oui, Fred, en fait... Eh ben, si tu veux que les mini Buddies fassent des proutes de couleur, eh ben, il faut mettre un petit peu de poussière, de poudre dans le compartiment secret des Buddies. Et après, comme ça, leur couche, elle est d'une couleur que tu voulais. Mmh, tu t'en rends compte? Vous êtes complètement fous.
Mais c'est pour ça que dans le paquet d'adoption des mini Bellies, on avait la Poupipédia et il y avait cette petite chose, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Je l'ai gardée tout de même. Oui, fais ça. Tu mets la petite poudre dedans et foup là, hop, dans le compartiment. Aïe, oh là là, aïe, ça me fait mal. Dans le compartiment et après comme ça, la couche, elle est de toutes les couleurs que tu veux grâce au paquet des mini Bellies. Ah, mais je n'ai pas de poudre moi, il n'y a pas de poudre qui a été donnée avec. The fait, mais j'ai tout prévu, frère, j'ai tout prévu. Ici, je t'ai amené du chocolat. Du chocolat en poudre, du cacao en poudre, frère, d'accord? C'est pas une bonne idée, c'est une super idée. Effectivement, c'est une super idée. On peut tenter, on peut essayer. Bien sûr, allez, on y va. Voyons voir. Alors, on va mettre un petit peu de chocolat en poudre ici pour le déverser dans le compartiment secret de Mini-Boo. Voyons voir. Alors, avec l'aide d'un adulte, les enfants, sinon on pourra en mettre partout, on va mettre la poudre dans ce petit compartiment, tout doucement, en évitant d'en mettre à côté. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus, hein. Hop. Très bien, je pense que ça suffira. Et ensuite, on remet la tête. On incline et hop. On tourne. Ok. Et maintenant, on va voir s'il nous fait des proutes de couleur. Prêt? Attention. Allons-y. Il y en a même sur le sol. Oh là là, alors que tu as une couche. Bon, voyons voir l'état de ta couche. Attention. Oh oh. Ouh là là, l'état de cette couche. Oh. Un pet au chocolat. Bon, l'avantage, c'est que ça sent le chocolat en poudre. Hein. Alors, cette couche à la machine à laver tout de suite. Voilà. Les enfants, si vous le faites chez vous, attention à ne pas le faire dans une zone sensible. Hein. Vous pourriez tâcher quelque chose. Hop, demandez bien à vos parents où est-ce que vous pouvez le faire. Une couche propre pour notre mini bout. Comme ceci. Et les enfants, si vous voulez le faire et avoir de la poudre de couleur, j'ai une super idée. Hein, Yami Yami? Alors, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est très très facile. J'ai acheté des craies. Alors moi, j'ai acheté celle-ci, mais ça fonctionne avec n'importe quelle craie. D'accord? Les craies que vous voulez. Vous savez, les craies pour les tableaux, comme à l'école. Pour une ardoise. Donc, attendez, je veux voir. Moi, je voudrais être maîtresse plus tard. C'est vrai, Sapine? Alors, regarde. On prend la craie. Pour l'instant, je vais prendre rouge. Et vous allez la frotter sur l'ardoise, d'accord? On frotte. Il faut que ce soit une ardoise à craie, évidemment. Hop, et vous voyez, il y a de la petite poudre. Eh oui, alors moi j'ai toutes ces couleurs-là. Je pourrais prendre pour Yami Yami le violet. Non, pas le violet. Le violet sera plus pour moi que moi. On va prendre le vert. Pardon, Yami Yami. Hop, le vert pour Yami Yami. Et on va frotter la craie. Hop, on frotte. Hop, ça nous fait un petit peu les bras. Et vous voyez qu'il y a plein de petites poudres qui sortent de cette craie. D'accord? La craie s'use en réalité. Du coup, elle s'effrite et ça nous fait de la poudre parfaite pour nous faire des pets de Bellies. On frotte. Voilà. Ça ne sert à rien d'en faire trop parce que de toute façon, après, vous allez boucher le petit compartiment dans lequel vous allez en mettre. Donc c'est juste pour rigoler un petit peu et mettre de la poudre de couleur sur la couche de votre mini Bellies. Hop, on prend le petit compartiment comme ceci là, la petite raclette. Et voyons voir ce que ça donne. On tourne légèrement la tête pour voir si ce petit pet de couleur verte fonctionne. Voyons voir, attention Yami Yami, on y va. Allez. Oh oui, regardez, à mon avis ça fonctionne, on a de la craie là, sur le sol, de la petite poudre verte. Voyons voir l'état de cette couche. Oh oh, tadam! Effectivement, ça a fonctionné. Bon, et bien voilà, une petite astuce pour vous les enfants, pour avoir de la poudre de couleur. Oh, je n'y crois pas. Ils avaient un sacré paquet de secrets quand même, ces mini Bellies. Hein. Oh, et maintenant, on sait qu'ils sont encore plus coquins que leurs grands frères et sœurs.
Oh, des paix de couleurs, je n'en reviens pas. Oh, des paix de couleurs. Oh là 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 là. Les enfants, avant de partir, laissez en commentaire des idées de bêtises que Mini Ami pourrait faire dans le prochain épisode, d'accord? Surtout, on se voit dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Demandez à vos parents, il suffit d'appuyer sur la petite baguette magique là-haut et vous serez les premiers à voir nos épisodes. À bientôt.